Après, derrière, il y avait un grand Matt aussi. Heureusement qu'il est là, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, je pense qu'on aurait pris 2 ou 3 buts par match. Mais comment vous expliquer ça, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être un problème de concentration, peut-être un problème de confort ou quoi, je ne sais pas. Mais comme vous avez dit, on ne prenait pas beaucoup de buts, mais on n'en marquait pas. Et le problème, c'est que si tu ne marques pas de buts, c'est difficile de gagner des matchs. Mais faut trouver une stabilité dans. Peut-être qu'on a du mal à presser, peut-être qu'on a du mal à aller chercher tout le match. Peut-être qu'il faudra se. Après, ça, c'est le coach qui va décider, mais comment il va établir l'équipe. Mais est-ce qu'on va continuer à chercher? Est-ce qu'on va rester plus médian? Est-ce qu'on va attendre? Ça, c'est le coach qui va décider. Bah, si on fait un comparatif par rapport à l'année dernière, voilà, l'année dernière, on finit 6e. Là, on est en bas du classement. Peut-être qu'on a un manque d'agressivité, peut-être qu'on a un manque de peps, ou je sais pas. Ça c'est vous qui décidez, mais peut-être que je sais pas comment vous expliquer ça, mais est-ce qu'on va arrêter de presser, est-ce qu'on va rester médian et aller presser sur des touches ou sur des 6 mètres, ça c'est le coach qui va décider. Mais la saison elle est longue, voilà, on a fait 11 matchs, mais on est en bas du classement, mais le plus important c'est que si on commence à aller à droite à gauche, on commence à se désunir et à faire chacun pour soi, je pense que là, ça va être très, très compliqué. C'est pour ça que le mot qui prime aujourd'hui, c'est l'unité, c'est d'être soudé, et c'est de rien lâcher, et c'est de combattre pour chaque match. Pas que ces 3 semaines, comme je l'ai dit en début, c'est chaque match, mais voilà, c'est jusqu'à la trêve, on se déplace chez 2 promus, donc c'est des équipes qui sont de notre championnat et qu'il ne faudra pas se manquer là-bas. Après, voilà, l'année dernière, on a été capable de battre n'importe qui à domicile, et j'espère que ça sera le cas aussi cette saison et pour Marseille.